Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes depuis Bombardo Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une longue vidéo. Nous pourrons démarrer tout de suite avec l'information. Mais avant de nous faire ça, équipe TV Caraïbes voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombardo Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéresser, s'il vous plaît, abonnez avec TV Caraïbes et puis pas oublier ouvrir notification, ça permet que vous faites partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien, nous pas perdre du temps, n'a déroulé avec information yo. En ouais. Mais André Michel avec plaisir l'autre avocat présenté dans paquet quoi des bouquets. Dans quatre mandats la justice, mettez des Jean-Fritz Toussaint, tout le monde connaît sous nom Mathias. L'autre information nous gagne pour juge instruction belge au surprise tendez Abi France Laco. La police nationale d'Haïti a arrêté 24 décembre 2019 là pour trafic à détention d'armes illégales. Et bien, nous pas perdre du temps, n'a commencé couler. Si nous arrivons dans le parquet, pour inviter Mathias. Mathias avec nous. Nous passons 30 minutes dans le temps ou pas recevoir nous. Nous pas arrêter à commissaire du gouvernement. À partir de ce moment, c'est de ça pour nous faire, c'est retourner la caille nous avec notre client Mathias Dandor. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait? Comme le mandat qui a été émis par le parquet de la Croix des Bouquets contre Jean-François Toussaint. C'est un acte illégal. Nous allons faire ce que de droit, c'est-à-dire nous allons attaquer le mandat qui a été émis par le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets. Il y a le juge de la liberté individuelle qui est là. Quand la liberté individuelle d'un citoyen est menacée, il y a le doyen qui est le juge de la liberté individuelle qui est là et qui a la compétence juridictionnelle pour entendre ce genre de situation. Et c'est exactement ce qui va être fait. Mais nous condamner avec la dernière rigueur le comportement, l'arrogance de ce monsieur qui est le commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets. Il est inacceptable que nous paraît après plus passer 25-30 minutes, n'attendons et pour ne pas recevoir nous. Ou t'es double jeu Mathias, nous menons Mathias Barou, c'est pour prendre responsabilité pour tendre Mathias. Je ne vais pas définir personne. Je dis que moi, il me suis un mandat d'amener. Donc en tant que commissaire du gouvernement, donc mandat à l'Union. Donc maintenant, tout le monde a ça des miséricordes. Maintenant, si il y a une comparution, ou bien volontairement, monsieur a venu, pas être dans avec ça, moi prêt, et tout le monde a constaté, nous très tôt, je suis venu. Et ceci, je suis venu, je ne vais pas me dire, je ne vais pas me dire, je ne vais pas me dire, je suis là, au retour, il y a un monde, je vais commencer à attendre. Il y a deux mondes, je vais attendre. Par la suite, moi je dis monsieur, il te dit que l'avocat Mathias est là. Je dis bien, ok, donc j'attends. Notre Mathias. Pas un ministre Mathias. Donc moi, j'attends Mathias. Donc si l'avocat est venu, il dit que mais Mathias, et puis il vous présente, il va arranger moi. Et puis que moi dis on rentre pour que nous attendions. Donc si Mathias est venu volontairement, il est venu dans le paquet, donc je vais essayer de comprendre. Donc là. Que je cap toujours, puisque nous avons demandé à Dami de retenir même dans moi, et même venir volontairement, nous avons toujours tendu lui, et puis nous avons analysé les faits et les indices. Si c'est nécessaire pour que moi-même, moi appliquer ça que la loi dit, je vais appliquer. Si ce n'est pas nécessaire que nous prenions notre décision, que nous allons prendre. Mais moi et moi, nous avons rendez-vous. Donc, si nous avons venu volontairement, nous sommes prêts pour que nous recevions, mais tel n'est pas le cas. Je ne vais pas ni Mathias, ni avocat. Seulement, il y a des gens qui sont là pour moi. Avocat Mathias est là, il a parlé avec les journalistes. Léon commissaire gouvernement, lui émet son mandat. Mandat, ce n'est pas. C'est pas égo nous qui l'a cherché. Donc, il y a une action qui est posée. Donc, il y a une violation de nos lois que la juridiction que nous avons jugé nécessaire, que les gens qui commettent acte ça. Donc, il faut que nous attendions. Eh bien, moi, je suis invité, même le juge décision, que moi, je dis, amenez votre banque. Les élections sont convoquées pour le 17 janvier à compter de 10 heures
à la Cour de cassation et à défaut de quorum, les élections auront lieu nécessairement le 24 janvier, toujours au même endroit, à la Cour de cassation, mais cette fois-ci, on a commencé à 9h du matin, le 24 janvier, si tout le monde va être au 17. Officieusement, il y a 7 candidats. Mais suivant la procédure que nous gagnons en matière électorale dans Baroua, un candidat capable de déclarer le jour des élections. Comme ça, tout, nous avons dit 7 candidats officieusement retour, il y a des gens qui désistent. Donc pour le présent moment, si je suis actualité, je vais garder toute la campagne, je vais gagner plus ou moins 7 membres qui candidats pour le poste de bâtonnier. Le bâtonnier élu, il est élu pour un mandat de 2 ans. Mais sauf que ça va vous remarquer, le mandat supposé commencer le 1er. Il supposé commencer le 1er lundi du mois d'octobre. C'est-à-dire coïncider à la réouverture de l'année judiciaire. Mais dans le cas, ça peut se gagner le retard dans les élections. Si l'élection est faite le 24, le même jour des élections, même si il y a la pour entrer en fonction, et mandat a fini, 2020, la fini dernier vendredi, nous disons que la fini, premier lundi 2021. La dernière élection, c'est pour le renouveler le conseil, la dernière élection pour le bâtonnier, le secrétaire, le trésorier et pour 11 conseillers de l'ordre. Pour ça, l'avoir précisé, depuis mon avocat, il y a 5 ans, sous tableau, il y a un avocat militant, et s'il en règle avec cotisation annuelle, et s'il n'a pas fait objet de sanctions disciplinaires, il est capable de porter le candidat au poste de bâtonnier. M'a invité l'ensemble des avocats pour continuer remplir l'obligation, c'est-à-dire passer par les cotisations annuelles pour mettre à jour, et m'a invité pour répondre en nombre le jour des élections. Et puis, nous avons souhaité qu'il y ait un accompagnement à Presto qui pourrait relayer une telle activité pour nous, parce que dans l'histoire du Barreau, ça a été quand même un grand moment. Voilà, équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec la chaîne, c'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous la grande vidéo pour être capable de jouer nous, sans pas besoin de chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.